Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour l'épisode 5 sur le let's play de Call of Duty Modern Warfare remasterisé sur PC. Donc la dernière fois on s'était arrêté, si je me trompe pas, avec l'acte 1, Charlie ne surfe pas. Donc là on va se retrouver avec le marais, un char Abrams est bloqué en périphérie, et il sera bientôt submergé par les forces d'Al-Assad. Et percez les lignes ennemies et venez au soutien de char, du char et de son équipage. Donc là on va encore incarner normalement Paul Jackson, et voilà. Voilà. Je pense que c'était ça qu'on avait fait en tout. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. J'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que ça vous plaît, pardon. Toutes les vidéos sur le nouveau Call of Duty. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Et c'est parti. Continuez notre aventure. Acte 1, le marais. Allez, c'est parti. Petit récap. USMC. Sergent Paul Jackson. Allez, c'est parti. Je me rappelle de cette mission, elle était pas mal. Je me demande si c'est les mêmes cinématiques que dans la version non remasterisée. Mais bon. Allez, on doit aider nos poteaux là. Nous, on est juste là. Et là, ça charge. Vous voyez en bas à droite là. J'espère que ça vous plaît les deux bandes noires là. J'ai mis en mode cinématique. On est en 21/9. Donc normalement, ça fait un peu comme si on jouait un film. Allez, let's go, c'est parti. Ok. Il faudrait que mon micro ne tombe pas aussi, ce serait cool. Il y a encore du monde là. Allez, c'est parti. On y va. Ok, let's go. Wow. Hélicoptère poteau là. Oh, déjà on se fait déjà tirer dessus là. Wow. Tire au lance-roquette là quoi. On va récupérer de la vie un peu là. Il est mis dans la tête celle-là. Hein. On va avancer petit à petit. On les voit hein. Et la voie qui va exploser. On va se mettre juste ici alors. Wow, il y a plein d'hélico là. Oh, wow. Wow, 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 le poteau, le poteau. C'est grave bien fait. Et il tire à travers les barricades là. Bien barricader ça là. On doit avancer nous. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Vas-y, passe, Fredo. Ok, vision nocturne, les gars. On y va. On doit passer par là nous j'imagine. Go 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 go. Ah toi je t'ai eu. Au tir au jugé en plus. Vous avez vu le viseur holographique, il est horrible. A l'époque, quand Code 4 est sorti, il fallait viser comme ça avec un gros viseur comme ça dans la campagne. Heureusement le multijoueur normalement c'est pas comme ça. Mais c'est horrible comme viser. Parce qu'un viseur holographique normalement ça fait pas ça. Je crois qu'il y a plus personne. Hein. Ok. Nous on va devoir avancer nous. Par là. Parce qu'on va les nettoyer les étages. Ok j'y vais, j'y vais. Ah, il est avec moi, Rozevich. Ok, ok, ça marche. Oh! Putain, mais il a rien fait, Rozevich. Voilà, comme ça, ça s'est fait. On y va. Alors, moi, j'ai nettoyé tout le monde, là. Ils sont juste là encore, là. Est-ce qu'il y en a encore, là? Je le savais, il y en avait encore. Là, ici devant, là, je pense. Je pense ici, ouais. Ça fait mal, hein, ça fait mal, hein. Ça vous rappelle quelque chose, là, de Code 2, là, non? Je pense que c'est bon. Y'a plus personne, les gars, y'a plus personne. Je sais pas ce qu'ils font, là. Ouais, y'a plus personne, c'est bon. Allez, let's go, on y va. Go, 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 go. Attends frère, j'ai même pas encore fait là. Ok. On peut y aller. Du coup on va descendre nous.
Du coup, là, on a traversé la porte, là, normalement, si je me trompe pas, quand on était en bas, là. Ouais, ici, ouais. Ok. Oula, essayer d'avoir une bande, là. Ok, on va enlever ça. On va passer par la gauche, nous. Donc, nous, on va passer par la gauche. J'imagine qu'il y aura des blancs. Des gens, peut-être. Non, personne. Ah si. Personne par là. On va nettoyer les bâtiments. Par là. Ouais, 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 j'ai. Ok, on les a eu. On va nettoyer les bâtiments. Ok, j'y vais. J'y vais, ça marche. Il est juste là. Oula. Ouais, ça marche, Martin. J'essaie de me planquer, attends. Il est où? Ils sont là. Let's go. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans Iron Man. On en a eu un. On va avoir le deuxième. Je crois qu'il y en a trois, là. Let's go. Oh my god. Allez. Yes. Et là, il y en a un qui est bien découvert, là. Ok. Ça va aller, normalement. Yes. Ah, il y en a encore un deuxième, là. Je rêve, là, il y en a encore un deuxième. Tu crois aller où, toi? Sérieusement. Tu crois y aller, toi? Ok. Bon, là, je pourrais reprendre mon arme quand même. Mon petit M9 là, il était où là? Il était là. Ok. On y va. Let's go. Je me dépêche. Ah, on a un lance-grenade, j'avais complètement oublié ça. Pas besoin de marcher. Pas besoin de courir, pardon. Du coup, on doit explorer les alentours. C'est tellement bien fait. Là, il y a un petit chat de merde. Ok, ça marche. C'est par là, nous. Putain, mais ça tire en lance-roquette, vous avez vu, là? C'est pas croyable, ça. On avance par où, là? Je crois qu'on est arrivé, je crois, non? Je pense qu'on est arrivé. On est arrivé. Wow. Oh là là, ça tire en lance-roquette et tout, fou, là. C'est des fous, les mecs. Ok, nous on va défendre les positions en avant, nous, j'imagine. Ouais, on va se mettre ici, nous. On va essayer de les avoir tranquillement. Wow! Je vais me mettre à couvert. On m'a tiré au lance-roquette, là. Ah, le canon principal, il est mort. Du char. C'est pour ça qu'ils peuvent pas tirer. Faire des tirs de précision pure, là. Ça, ça a explosé, j'imagine. Ok, les balles elles ont pas touché, super. Grenade. Oula. Attends, je t'ai eu. Allez, on va essayer de les avoir là. On va défendre le char Abrams. Renvoyer, je la renvoie la grenade. Attends, on va la renvoyer une grenade. Oula, mais c'est quoi ce truc là qui tire de fou là-bas là? Ah, on m'a tiré la grenade là, vous avez vu? Ah non, on a RPG, je crois, on m'a tiré la RPG, je crois. Allez, va là-bas, toi. Va là-bas, toi aussi. Mais ils viennent beaucoup, là. Intercepter l'ennemi avant qu'il ne s'empare du char. Non, on peut les avoir. Restez là, quand même. On va aller rendre visite. Raté, poteau. Ici, c'est bon, plus rien là. Détruisez le canon anti-aérien ZPU pour avoir. Ok. Vous voyez le canon qu'on attend depuis tout à l'heure là? On doit aller fumer ça là.
Là, je recharge. Y'a personne ici. Personne ici aussi. Il est juste là, là. Oh, 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 oh. Ah, ça m'a fait des dégâts, ça, par contre. Oula, y'a une grenade, une grenade, une grenade. Attends, je vais me mettre à couvert, là. Oh, mais voilà les dégâts, là. Mais y'a grave des ennemis, là. Tout ça, c'est des ennemis, là. Ok, là, y'a un sergent, là-bas. Wow. Arrête de me tirer dessus, toi. Arrête de me tirer dessus, toi aussi. Arrête de me tirer dessus. Ils veulent vraiment ma peau, hein, ces enfoirés. Oh, elle a tiré. Oh, ça a ouf, lui. Ça a explosé ou pas? Ah, ouais. Ok, on y va. C'est juste en face, là. Ouais, dans cette maison, là. Tu bouges, s'il te plaît, merci. Eh ouais, monsieur. Personne, je crois, j'imagine. Passer le C4. Ok. Ouf, ça me tire. Ouais, ouais. C'est bon, on l'a eu. Il y avait un fusil à pompe, par contre, je voudrais bien le prendre. Oh! Ah, mais c'est un truc de ouf, lui. Attends, mais il est ultra relou, là, celui au bâtiment, là. Il est où? C'est lui, là. Il m'a fumé de fou, lui. Foiré, va. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Passer la balise, ok. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Let's go, c'est bon. On a placé la balise, c'est bon. Oh, oh, oh. Oh, je me suis mangé deux missiles, là. Ouais, il y a les, nos gars, il y a nos gars. Ouais. Ouais. Incroyable. Regardez-moi ça là. Ah, ils sont en train de défumer de fou. Incroyable. On va aller le rejoindre. Aïe aïe aïe. Emma Abraham sauvée. On peut monter sur le char? Non, on peut pas. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps pour sortir ce char de là. On va prendre des positions défensives autour du marais. Ici, ici et ici. Faut donner aux techniciens le temps de faire avancer ce char. Compris? Ok, ça marche. Et ben voilà, on a réussi la mission. Comme je vous avais dit, hein, franchement, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup d'actions. Par contre, le viseur, il est horrible. Je sais pas pourquoi ils ont gardé ce mode de visée. Heureusement qu'en multijoueur, c'est pas comme ça. Si je me trompe pas. Mais je crois, oui, dans Code 4, il n'y avait pas de viseur holographique. Il n'y avait que des viseurs laser, etc. Des viseurs à points rouges. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis en multijoueur. C'était un peu bizarre, hein. Le mode de visée, il est juste ultra dégueulasse. Par contre, ouais, je me suis mangé pas mal de missiles d'RPG. Ça, c'était fou. Et on a réussi à avoir les chars, ça c'était pas mal avec le javelin. Mais sinon, à part ça, non, c'était vraiment stylé. Et franchement, en termes d'animation, c'était incroyable. J'ai rien à dire. Les hélicoptères, même au tout début, quand on se fait attaquer, l'hélicoptère qui se fait abattre, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. La version remasterisée, elle est juste incroyable. Du coup, pour le prochain épisode, si je ne me trompe pas, acte 1, on va se retrouver pour traquer. Donc abattu en Russie occidentale en revenant avec Nikolai, éviter les patrouilles ultra nationalistes et rejoignez le point d'extraction. Donc ça sera réservé pour le prochain épisode. Du coup, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, je vous remercie. Et on se dit rendez-vous pour le prochain épisode qui arrive normalement, si je me trompe pas, demain. Voilà, merci et salut.